Donc, la raison, le bon sens et mobile. Ça paraît très intéressant, ça. On a déjà distingué mobile et ce qui était sans mobile apparent. Ben, notez bien que, en rapport avec la psychanalyse, crime utilitaire, crime rationnel, crime avec mobile, moi. Voilà, j'ai décidé, j'ai fait mon choix, j'ai étudié les risques, ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire, le gain que je vais en retirer par rapport au risque, par rapport aux victimes, par rapport à l'arrestation, par rapport à tout, tout ça est rationnel. C'est moi. D'où racket, vol, brigandage, chantage, attaque à main armée, extorsion de fonds, tout ce qui en général financier appartient ou en relation au moi. Le moi, deuxièmement, gère le rapport principe de plaisir contre principe de réalité. Principe de plaisir contre principe de réalité. C'est-à-dire qu'il évalue le moi en disant bah voilà, moi j'aimerais bien devenir président de la République. Bon, ok. Ça, c'est mon plaisir, c'est mon envie. Et puis le principe de réalité, oui, mais bon. Faut que j'ai X, faut que j'ai un parti, faut que j'ai le charisme, faut que j'ai quand même une crédibilité, il faudrait que. Plein de choses pour qu'on puisse espérer devenir président de la République. Et là, dans ce principe de réalité, hein, où on voit tous les critères très réels qu'il faut avoir, bah, on peut être dissuadé. On se dit, voilà, j'ai une envie d'un côté, mais bon, finalement, je vais peut-être pas y aller parce que je me sens pas à la carrure ou les conditions requises. Vous voyez, ça, c'est aussi le moi qui évalue ce calcul, en quelque sorte, entre j'aimerais bien, mais bon, il faut quand même que je puisse le faire. Et troisièmement, le moi peut participer à la censure des actes aidés par le surmoi. Peut participer à la censure des actes aidés par le surmoi. Le rôle parental d'éducation, l'intériorisation des interdits, le sentiment de culpabilité. Je veux dire par là que si par exemple le père vous a dit « tu ne insulteras personne », ça a été mille fois répété dans son éducation, très bien. Mais le moi aussi dit « oui, pense, en dehors du père, en dehors de l'éducation, oui, c'est bien de respecter les autres ». Donc, si le moi, déjà, respecte les autres, vous pensez que c'est vraiment bien en soi. Et si en plus vous y rajoutez les interdits du père, on voit bien que le moi participe effectivement aux interdits du surmoi. Quatrièmement, le moi peut transformer la libido sexuelle en idéalisation. Le moi peut transformer la libido sexuelle en idéalisation. C'est-à-dire, investissement altruiste, social, idéologique. C'est-à-dire que là où, par exemple, vous voulez faire l'amour à une femme, libido sexuelle, pulsion, le ça, le moi peut transformer ça en disant « oui, mais tu vas aider les femmes qui sont victimes. Tu vas aider la gent féminine qui est souvent harcelée moralement et sexuellement. » En fait, tu vois, tu as une envie d'aider les femmes, tu as envie d'être avec elles. Après, tu peux le faire sexuellement, d'accord. Mais le moi te dit « transforme ». Aide-les socialement, aide-les pour elles, aide-les dans une condition sociale meilleure. Vous voyez ? On garde la même envie de départ, de pulsion, mais on va la transformer pour elles, dans leurs meilleures conditions générales. Et surtout en sublimation, c'est-à-dire l'investissement intellectuel, philosophique ou religieux, c'est-à-dire la sublimation, c'est-à-dire que tu as une pulsion sexuelle, mais ok, tu le sais, tu es un homme, tu es un pêcheur. Mais voilà, tu es croyant aujourd'hui, tu crois en un Dieu, imaginons, et tu, quelle que soit ta sensibilité, tu n'es qu'un pécheur, tu n'es qu'un humble croyant, un humble serviteur de Dieu, pour toi et pour les autres. Donc, dans ces dimensions-là, tu peux toujours avoir cette pulsion, mais non, il faut que tu la transcendes complètement pour te dire, bah voilà, tu es un pécheur, mais maintenant tu fais tout pour que cette pulsion sexuelle n'ait plus aucune sorte d'importance jusqu'au, peut-être, jusqu'à l'abstinence du prêtre qui s'est complètement sublimé au service de Dieu. Cinquièmement, le moi est capable de construire des moyens de protection pour maintenir son intégrité, son équilibre face aux excitations internes, sa constance biopsychologique, se prémunir contre les affects déplaisants et surtout pour neutraliser l'angoisse, véritable poison du moi. C'est ce qu'on appelle les mécanismes de défense du moi. Ah, alors, vous allez voir combien c'est utile dans la vie de tous les jours, ce que je vais dire et ce par quoi je finis. C'est-à-dire, en résumé, parfois on vit des situations qui sont très déstabilisantes dans la vie de tous les jours, comme écrire sur son téléphone ou lire son cours.
Et il y a des déstabilisations qui interviennent en fonction justement du peu de défense qu'on a, ou de la puissance à l'inverse de l'attaque. Hein, imaginons que vous avez vraiment un type avec un javelot, il vous lance le javelot, et vous n'êtes pas, il n'y a pas de bouclier, il va bien sûr vous transpercer corps et âme. Ben, l'idée est là, un petit peu psychologiquement, c'est-à-dire que lorsque par exemple quelqu'un va vous donner, vous lancer une parole assassine, imaginons, cette parole va être tellement violente, vous allez le ressentir de maintenant, que vous avez un vrai javelot qui va vous tuer votre psychologie, hein, vous transpercer votre cerveau. Pour éviter ce genre de situation, on recourt psychologiquement à des mécanismes de défense. Il y en a quelques-uns qui sont quand même fameux. Pour esquiver l'attaque, pour ne pas en avoir le plus grand impact psychologique, pour se protéger du pire en quelque sorte. Okay ? Et ça c'est très important parce qu'il y a des gens qui sont livrés à eux-mêmes et qui n'ont pas de mécanisme de défense. Ils vont réagir de manière très pulsionnelle, très compulsive, encore une fois, un passage à l'acte assez majeur. Des gens qui sont hyper colériques, sanguins, comme on dit. Hein, en disant, voilà, ils n'ont pas aucun moyen de contenir ça, et si vous venez les chercher, c'est tout de suite le coup de poing dans la gueule. Ok ? Bon. Donc nous, on apprend, pour être à la fois plus socialisé et plus respectueux et plus, voilà, de vivre mieux les attaques, à recourir à ces fameux mécanismes de défense. Le premier, c'est déni. Déni. D-E-N-I. C'est-à-dire, on refuse de reconnaître la réalité, le traumatisme. On en nie sa réalité, donc. Le déni, c'est ce qui prouve les autres. Non. Imaginons par exemple que, je sais pas, je te dis, Léo, c'est ta faute si ta mère est malade. C'est ta faute. Toi, tu me dis, c'est tellement violent, toi, cette attaque-là, parce que tu, quelque part, soit peut-être c'est un peu vrai, soit parce que tu as tout ça ta mère, c'est quand même très proche, soit tu trouves, pour qui se prend-il, pour, comme ça, avoir des jugements sur ma mère, quand même, oui. Quelle que soit la mère, on te le ressent très mal, et là, tu dis, déni, tu ne veux même pas essayer de gérer cette histoire, tu ne veux même pas discuter là-dessus, parce que c'est trop violent, et tu dis, bah, non, vraiment, vous dites n'importe quoi. Tu nies complètement cette histoire-là, et donc, c'est comme si voilà, tu reçois un truc, et le nier, c'est comme si tu étais transparent, un fantôme. Ça te passe au travers de toi sans te toucher, tu l'as nié. Ça n'existe pas, c'est pas vrai. Alors, dans un interrogatoire de type malice, il est évidemment possiblement l'un des responsables du crime, et donc on lui dit oh, vous étiez quand même dans la voiture, vous étiez quand même. Une blanche à vos côtés, on a de l'ADN dans votre voiture, on a des autocollants, on a plein d'éléments, vous voyez, qui stimulent et non, c'est pas moi qui l'ai fait. Dénégation, vous voyez, déni complet. Parce que le reconnaître, évidemment, rationnellement, le mois dit, je vais prendre 30 ans de prison, ça on comprend tous, mais c'est aussi peut-être un mécanisme de défense face à quelque chose qu'il ne peut pas admettre, c'est-à-dire pour accéder à l'aveu, il faudrait déjà qu'il ne soit pas dans la frustration, quelque chose, un mécanisme inconscient, il ne peut pas de toute façon l'admettre. Vous voyez ? Mais si peut-être il disait, bah oui, je l'ai reconnu, je me sens coupable, c'est pas bien, je pense effectivement que les parents ont le droit de savoir ce qui s'est passé, c'est une petite fille, je lui ai fauché la vie, mon Dieu, je réalise ce que j'ai fait, je me mets à sa place, etc., etc. Il serait alors peut-être accessible à des aveux qui rationnellement auraient les mêmes conséquences de 30 ans, mais au moins, il y est accessible. Mais là, un déni, on n'est même pas passé au premier stade, il refuse complètement cette histoire-là, et il n'ira jusqu'au bout, si c'est vraiment ça. Voilà, parce que c'est le renvoyer, peut-être, et ben, une relation sexuelle précoce, inconsciente, sous forme de transfert. Vous voyez, il a une relation sexuelle avec sa sœur petite, imaginons, et donc il a souhaité revivre cette relation sexuelle précoce avec une fille, petite fille qui lui ressemblait, et quelque part, ayant éprouvé Eros Thanatos, le plaisir de faire mal, le plaisir de violer, le plaisir de machin qui s'est cristallisé à l'occasion de cette première relation sexuelle précoce, et bien, il a le plaisir de le faire avec Maëlys. Après, il s'en débarrasse parce qu'il faut effectivement que personne ne remonte à lui. Mais pourquoi voulez-vous qu'il reconnaisse ce qu'il aime dans ce cas, dans cette hypothèse? Vous voyez ce que je veux dire?
Et donc là, genre, je ne veux pas reconnaître ça. Le reconnaître, ce serait, d'ailleurs, le pari de la société, un type monstrueux, hein, d'aimer faire un viol et un assassinat sur une petite fille, c'est injouable. Donc de toute façon, je le nie complètement. Comme ça, au moins, je suis tranquille, et avec ma fixation, et avec la société, et avec les conséquences judiciaires, c'est le meilleur parti. Psychologiquement et rationnellement. Ouais. Le clivage, qui est une défense contre l'angoisse. Le clivage, l'objet visé à la fois par les pulsions érotiques et destructrices, est scindé en un bon sujet et un mauvais sujet. La personne ne peut percevoir un objet dans sa totalité. Il est soit tout bon, soit tout mauvais. Exemple, concernant la société rejetée en bloc chez certains, car tout mauvaise. Voilà, c'est-à-dire que, comment vous dire, c'est la logique du tout ou rien, si on pourrait dire ça comme ça. Je m'explique. Clivage, ça veut dire dissocier. Cliver, hein, c'est séparer en deux. Cliver, clivage, séparer en deux. Donc, tout ou rien. Hein, une partie tout, une partie rien. Une partie bonne, une partie mauvaise. Une partie vraie, une partie fausse. Et tout est binaire. Et dans ce fait, c'est un mécanisme, dit-on, de défense contre l'angoisse. Ça veut dire quoi ? Ben, par exemple, on l'accuse d'avoir tué quelqu'un. On vous accuse d'avoir tué quelqu'un. Forcément, vous commencez à angoisser, parce que si on vous arrête, si ça se sait, si les voisins savent, ça peut mettre un terme à vos études, à votre profession, à la relation normale avec vos parents, vos proches, etc. Vous voyez toutes les conséquences que ça peut avoir, notamment en matière de réputation. Et là, qu'est-ce que vous faites ? Vous clivez. C'est-à-dire que quelque part, vous allez dire, non, non, ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est Gertrude, le mauvais esprit qui est en moi. Je me l'ai demandé. Voilà. Gertrude m'a demandé de faire ça, ce n'est pas moi. Et donc, vous voyez que même si vous avez trouvé mon ADN dans la voiture, bah, oui, c'est peut-être mon corps qui a laissé l'ADN, mais ce n'est pas mon esprit qui a fait ça, c'est une autre personne. Une mauvaise personne. Mauvaise. D'accord ? Qui est en vous. Alors, il y avait un type bien connu dans la criminologie, qui était tueur en série, qui s'appelait David Berkowitz. Un tueur en série comme ça, dans les années 60-70, il disait, on l'appelait le fils de Sam, parce qu'en fait, il disait que son chien lui avait dit de tuer. Hein, il entendait une voix, il disait, voilà, mon chien m'a dit que Sam devait tuer telle ou telle personne. Qui était commandité, hein, dirigé par un esprit malveillant. Et voilà, c'est un argument de défense, hein, ça s'entend en tout cas. Sauf que, voilà, après, on regarde un peu plus près tous les éléments, on s'aperçoit que c'est quelqu'un de très contrôlé au bout du compte. Hein, donc, mais on reconnaît que, voilà, vous pouvez le faire rationnellement en disant j'imagine que c'est pas moi qui l'ai fait. Hein, là, c'est plutôt du déni. Mais le vrai clivage, c'est de se dire, non, je suis vraiment dépendant d'une autre personne, et puis voilà, j'imagine que blablabla, c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait. Donc que ce soit plus ou moins inconscient, je crois que vous avez compris l'histoire, vous imaginez, alors parfois vous vous convainquez, parfois on se convainc qu'on n'a pas fait quelque chose ou qu'on a fait quelque chose, pour éviter d'être confronté à la réalité. Et c'est un peu la même histoire, hein, c'est aussi tendancieux, de dire que, ah oui, moi je sais très bien que tel jour, telle heure, j'ai dit ça, et puis c'est mal, ça tombe bien. Et puis à un moment donné, donc, repris dans le fait de la discussion, ah oui, tiens, non, c'est pas moi qui ai dit ça. Alors c'est pas moi, j'ai pas encore dit que c'était autre, mais c'est pas moi. Ou alors c'est moi, mais j'étais pas bien ce jour-là. Mais en tout cas, c'est pas moi. Vous voyez, c'est. Moi, je suis quelqu'un de bien, forcément. Pas de faire quelque chose de mal. Donc c'est forcément quelque chose en moi qui est mauvais, mais qui porte moi, puisque je suis forcément toujours bien. Le clivage. Voilà. La projection, troisièmement, opération par laquelle le sujet expulse de soi et localise dans l'autre des sentiments, des désirs qu'il méconnaît ou refuse en lui. Opération par laquelle le sujet expulse de soi, rien de soi, non ? Et localise dans l'autre, hein, des sentiments, des désirs qu'il méconnaît ou refuse en lui. Par exemple, celui qui déteste
ou hais attribue à autrui ses propres sentiments. Donc, je le hais devient il me hait. C'est très bien résumé. Je le hais devient il me hait. Vous voyez ? La projection, c'est projeter sur l'autre mes propres sentiments, qu'ils soient positifs ou négatifs. Alors, par exemple, on l'appelle l'érotomane. L'érotomane, vous voyez, manie hein, d'aimer. Donc, c'est quelqu'un qui est amené à croire que l'autre l'aime, alors qu'il n'en est rien, alors qu'il n'y a pas de signe objectif majeur, en tout cas. Donc, il m'est arrivé, par exemple, lors d'un tribunal correctionnel, de voir in vivo une femme qui était femme de ménage, qui passait donc dans la cour d'une école primaire, et puis tout à coup, elle fait son petit ménage, tout à coup, il y a un homme plutôt bien habillé, qui a un beau parfum, plutôt sympathique, charmant, et alors, il passe juste à côté d'elle, elle explique-t-elle, il a l'impression qu'il l'effleure, le côté épaule, elle passe juste à côté d'elle, donc il la touche en l'effleurant. Et quand elle l'a touchée, elle dit, mais je savais qu'il m'aimait. C'est-à-dire que ses sentiments à son égard deviennent par projection les sentiments de monsieur à son égard. Elle croit vraiment que cet homme l'aime. Et à partir de quoi, dans cette projection, elle va, bien sûr, matraquer l'individu de SMS, de coups de téléphone, appeler à la maison, discuter avec sa femme, lui faire croire qu'elle est la maîtresse d'eux, elle fout le bordel, vraiment. Mais le problème avec l'érotomanie, c'est que ça peut aller très loin. Hein, pour petite parenthèse, il y a toujours trois phases. Il y a la phase amoureuse, la phase de dépit, la phase de destruction ou d'élimination. Dépit, la deuxième phase, c'est j'en suis revenu au fait qu'après avoir... je savais qu'il m'aimait, mais en fait, il ne fait rien pour m'aimer. Parce qu'effectivement, le type ou la femme en question, donc, elle n'a rien à faire puisqu'elle ne l'aime pas de toute façon. Donc, c'est juste dans sa tête, l'autre. Donc, l'autre va être très vite déçu qu'il n'y ait pas de signe concret de son amour. Donc, je le hais maintenant parce qu'il m'a délaissé, donc il me hait. Donc, c'est mon ennemi. Donc, j'aime mon ennemi. Là, vous comprenez que très rapidement, pouf, troisième étape, il faut que j'élimine mon ennemi, qui est à la fois à l'origine de ma trahison et celui, effectivement, qui me détruit ma vie. Et donc, il ne faut jamais sous-estimer ces histoires de projection, parce que ça peut très mal se finir par un homicide qui est très fantasmatique, au bout du compte, très délirant, où la personne élimine le traître sentimental. Ça peut aller très loin. Mais là, c'était l'exemple de l'amour. Vous pouvez avoir quelqu'un qui est tout simplement de l'estime. C'est-à-dire, par exemple, j'estime cette personne, je l'admire pour une raison, je ne sais pas, est-ce que c'est intellectuellement, professionnellement, ou socialement, parce qu'il est médiatisé, ou je ne sais quoi encore. Et donc, projection, il m'estime parce que je suis quelqu'un de particulier, je suis quelqu'un de spécial, je suis quelqu'un donc... qui est tout aussi valorisé, valorisant dans la société commune, quand même. Donc dans ce mélange des rôles, vous voyez, au bout du compte, la personne se croit importante, se croit intéressante, se croit incontournable quelque part, et noue une relation très étroite dans son esprit avec l'autre, sans vraiment le vouloir ou sans vraiment l'avoir, bien sûr, réalisé. Mais peu importe, c'est dans son esprit. Donc là, à un moment donné, la personne, ça peut amener à des quiproquos, des ambiguïtés réelles, c'est-à-dire le fait que la personne, croyant qu'elle est valorisée ou estimable dans ce cadre-là, sera très susceptible, par exemple, en disant « Mais pourquoi tu ne me respectes pas ? Pourquoi vous ne me donnez pas la place que je devrais avoir ? Pourquoi vous êtes effectivement toujours à me rejeter ou m'exclure de cette histoire-là alors que je mérite, quelque part ?» Et puis enfin, peut-être dernier exemple, là c'était plutôt les personnes qui aimaient, mais puis on peut aussi aller sur la détestation, c'est-à-dire une projection où je le hais, donc il me hait, c'est vrai. C'est-à-dire, j'aime pas cette personne, j'aime pas mon chef de service. Donc mon chef de service me hait et je deviens un syndicaliste. Terrible. C'est-à-dire que je vais pourrir l'ambiance du service, je vais mener des actions de plainte administrative, tout ce que je pourrais pour vraiment les faire chier ces gens-là. Parce qu'il est presque paranoïaque en se sentant persécuté de ces
supérieur. Mais la projection, elle en reste à, je répète, je hais mon chef de service, devient il me hait. Et donc s'il me hait, vous comprenez bien que c'est l'ouverture vers la persécution, hein, le délire de persécution. On interprète faussement la réalité en pensant que l'autre nous donne du mal. Donc on réagit presque par mécanisme de défense, cette fois-ci, de survie, légitime défense, en disant non, toi, chef, tu ne passeras pas par là. Tu veux me bousiller, tu veux m'éliminer, tu veux me licencier. Putain, je vais me mettre dans un boulet au pied de toutes les procédures, je vais mettre des avocats, je vais mettre des syndicats, je vais mettre. Pour ta réputation, etc., etc., alors que ce n'est que dans la tête de la personne frustrée qui n'assume pas sa frustration et qui donc commence déjà à projeter sur tous ses problèmes. Le refoulement. Alors, mise à l'écart des pulsions qui se voient refuser par répression l'accès à la conscience. Donc, c'est ce que j'appelle le cadavre dans le placard, après ça. Il m'est arrivé de rencontrer, je vais dire, une policière qui était extrêmement belle, extrêmement bien, extrêmement tout ce qu'on veut, mais qui était devenue homosexuelle. Et comment dire ça? Cette jeune femme, donc, j'ai eu envie d'aider, il fut un temps. Et en posant la discussion, en essayant donc de manière très consentie, à essayer de lever le lièvre, à essayer de faire sortir. Expulser en tout cas le cadavre dans le placard, je m'étais aperçu que c'était impossible. C'était impossible, qu'on faisait plus de mal que de bien en le faisant, parce qu'il était tellement présent ce cadavre, qui était tout simplement un père, puis un beau-père, qui était vraiment un des pervers sexuels tous les deux, et qui l'avait lancé sur des relations sexuelles tellement précoces et tellement anormales, pour simplifier, que ce cadavre, voilà, c'est trop dur pour elle, c'est trop dur pour un enfant de 5 ans, 7 ans. Consciemment, de se rappeler de ça, c'est tellement hein, la violence des faits, la souffrance que j'ai ressentie, l'image que j'ai de ce père, de ce beau-père qui devrait être tout le contraire et qui m'ont fait ça, vous voyez, c'est trop pour l'esprit. Quand c'est trop consciemment, on le refoule et on le met dans un placard et on ferme la clé. C'est-à-dire que ce qui est arrivé, on l'a presque oublié. C'est presque de l'amnésie, vous voyez, on l'a passé de je me souviens consciemment à c'est dans l'inconscient, donc je ne me souviens plus. Le conscient n'a plus accès à l'information. Il coupe toute l'information, voilà, et de ce fait, il vit tranquille. Il vit tranquille consciemment. Mais quand vient le moment où vous avez un beau-père, non, pardon, un compagnon, qui aura un mot déplacé, un geste déplacé, qui se remet dans une situation, malgré lui, hein, qui ignore complètement, mais qui se rapproche de ce que cette fille a vécu, le cadavre sort. Parce que autant consciemment, vous pouvez voilà, le mettre là, mais l'inconscient, vous ne le contrôlez pas.